comprends, c'est... hein, le fait que le pays soit en deuil et que voilà, il faille pas fêter pour ça. Et voilà, ça se comprend, mais n'empêche quand même que je suis vraiment découragée, triste. Triste aussi pour l'organisateur qui a mis quand même beaucoup d'argent pour organiser un grand événement pareil. Salut, c'est José, je suis sur le 241. Je suis artiste, chanteuse ivoirienne, auteure, compositrice, productrice d'artistes. Ouais. Avec à son actif deux albums, Cocktail et Phoenix. L'accueil au Gabon a toujours été chaleureux, et donc ça n'a pas changé, hein. C'était très bien. Fraternité, sincérité et ouais, sincérité. J'avais déjà dit sincérité, non? Beauté aussi, c'est un très beau pays, le Gabon, hein. Ils se valent pas. Ça a toujours été bien fait, l'accueil au Gabon et le séjour. Donc, j'ai des difficultés à choisir un qui est meilleur que l'autre. Oui, José écoute de la musique gabonaise, bien sûr. J'ai ma chérie, ma queen sister, Chanel, hein, que j'écoute beaucoup. C'est ma chérie. Bon, je dirais Chanel, je dirais Créole, je dirais Emma, je dirais... Oh, il y a un monsieur que j'écoutais qui chantait. J'ai oublié son nom. Hein. Merci, Adora. Hey! Oh. Bon, je vais me rappeler après. Mais en tout cas, j'écoute beaucoup la musique gabonaise. J'ai encore oublié le début de la chanson là. Je t'ancrais dans la peau. Toi seul connais les mots pour m'apaiser au Tidéala. Mais man, c'est ma chérie, elle. Ça sera chaud de m'installer définitivement au Gabon. Hein, parce que Abidjan, franchement, reste mon goût. Mais franchement, je trouve que c'est un beau pays. Je peux faire de longs séjours et après retourner à Abidjan, malheureusement. Mais franchement, j'aime beaucoup.